À vous, à cette émission de ce mardi 8 août 2023, deux sujets retenus, notamment élection en République démocratique du Congo. Premier point, nous allons parler du cadre de concertation entre le jeune de différents partis politiques et la CENI. Vous allez suivre au cours de cette émission quelques questions posées au président de la CENI qu'il a répondu, et nous allons revenir aussi au cours de cette émission sur le programme de gouvernance du président Matata Mponyo, qui parle d'un programme nommé « Renouer avec notre destin de grandeur ». Pour lui, il pense que en une année, le budget doit il augmentera justement le budget à 18 milliards selon le président Matata Mponyo, et 90,9 milliards un budget total pour le premier mandat. Alors, nous allons aussi revenir sur le procès de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabund, plusieurs infractions à sa charge, notamment l'outrage au chef de l'État. Il est revenu sur ce qu'il a prononcé au cours de son récent point de presse qui a fait qu'il puisse être assigné en résidence surveillée. Le président du parti politique Alliance pour le Changement, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabund, a précisé que la République est en danger. Pourquoi? Parce que le président Félix Tshisekedi n'est pas capable de gérer le pays. Là, c'est lui. Mais est-ce que Jean-Marc Kabunda Kabund va s'en sortir? C'est la question que notre invité va oser de répondre. Il est avocat, il est président du parti, il est président de la Ligue de jeunes du parti politique LGD. Il s'appelle Aristote Tshiboba. Bonjour maître et bienvenue à vous. Merci beaucoup très cher Nathan pour l'invitation que vous nous avez lancée pour venir échanger avec vous après autant de jours de répit et de repos. Nous revoilà dans notre tournée médiatique pour pouvoir échanger avec nos compatriotes, essayer d'éclairer tant soit peu les questions ou les flous qui se posent dans l'ensemble de notre population. Très bien, merci beaucoup, bienvenue à vous encore une fois sur ce plateau. On vous a suivi, vous aviez posé une question importante au président Denis Kadima sur en ce qui concerne justement le processus électoral, les élections bien sûr. Alors, Je demande à la régie de nous balancer en tout cas cette question et la réponse de Denis Kadima. Et puis, nous allons nous retrouver juste après pour échanger dessus. Voilà. Je suis Aristote Tshiboba, président de la Ligue de jeunes du parti LGD. Ma question concerne... touche à la crédibilité des élections, parce que tout à l'heure j'ai entendu le président de la CENI nous dire que ces élections vont se passer dans un cadre de transparence et de crédibilité. Il est vrai que pour refuser bien évidemment ne pas se présenter à ces élections, refuser facilement les fatalismes, nous, certains partis d'opposition comme la majorité, avons accepté de participer à ces jeux. Mais il est de ces partis également qui, jusqu'à aujourd'hui, réclament la crédibilité des élections en posant un certain nombre de conditionnalités. Évidemment, nous aimerions savoir si crédibilité des élections, transparence des élections pour le président de la CENI ne rime pas avec les exigences des autres, notamment en ce qui concerne l'audit du fichier électoral. Merci beaucoup. Que nous pouvons rencontrer, il y a des demandes qui sont difficiles à rencontrer. Le cas du fichier électoral, je l'ai expliqué il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, si nous nous réunissons ici, nous tous ici, c'est justement une conséquence de la loi sur la répartition des sièges qui elle-même est basée sur le fichier électoral que nous avons soumis au Parlement. Donc, il nous est vraiment impossible, en ce moment où nous sommes en train d'avancer vers les élections, de dire arrêtez, faites un autre audit du fichier. Parce que vous parlez de l'audit, mais l'audit a déjà été fait. Le rapport est sorti, 138 pages. Très bon rapport, très bon travail fait, mais rejeté sans évoquer des faiblesses dans ce rapport-là. Nous n'y pouvons rien. Sincèrement, la CENI a fait montre de bonne foi. Nous avons pendant longtemps essayé de rencontrer toutes les parties prenantes. Certains n'ont pas voulu nous rencontrer.
Mais à la fin, nous avons pu quand même réunir certains leaders. Nous nous sommes entretenus. Nous avons des contacts avec eux. Et nous faisons en sorte que tout le monde puisse participer. C'est pour ça que nous parlons des élections inclusives. Et quand on parle d'élections inclusives, il faut aussi avoir la notion de proportionnalité. Dans ce pays, nous avons près de 1000 partis. Ils sont à 920 maintenant. Et la plupart des partis participent. Et ceux qui ne participent pas, même s'ils ne sont pas nombreux, nous continuons à ouvrir notre porte. Mais nous ne pouvons pas aller au-delà de cela, sinon on n'aura pas des élections dans ce pays. Et le scénario de ne pas avoir les élections est plus catastrophique que d'avoir un ou deux partis qui ne participent pas. Ok ? C'est ça la réponse. Très bien. De retour sur ce plateau pour analyser toutes ces questions. Mais maître, avant de vous donner justement la parole pour réagir sur ce que nous venons de suivre pour l'instant, votre lecture sur le déroulement d'abord de la francophonie pendant 10 jours, est-ce que vous pensez que ça a réussi? Est-ce que vous pensez que ça a vendu de manière positive notre pays? Bon, écoutez, nous ne devons pas être parmi ceux-là qui s'opposent à toute action qui va dans l'intérêt de la nation. Les Jeux de la francophonie ont émulé pas mal de Guinois, pas mal de Congolais qui se sont déplacés, et c'est une très bonne chose pour la République en ce qui concerne son image qui doit être redorée. Mais nous nous faisons une analyse politique sur ces Jeux de la francophonie. Nous avons par exemple constaté que il y avait un grand culte de personnalité, une messe de Notre-Dame de personnalité, à savoir les chants à l'instar de ce qui se faisait à l'époque du MPR à l'égard du président de la République. Nous avons constaté que ça soit les organisateurs du jeu de la francophonie, que ça soit ceux-là qui prenaient parole régulièrement ou qui jouaient le rôle de modérateurs d'événements. Dans l'ensemble, dans la masse, nous avons constaté que le Congo, notre pays, a reculé de plusieurs années. Nous nous sommes noyés aujourd'hui dans un fort culte de personnalité, alors qu'il aurait été préférable de procéder par le culte de performance, d'encourager ceux-là qui ont organisé l'activité de la francophonie, et puis de signaler d'ailleurs que beaucoup des fonds auraient été déjà détournés bien avant par certains anciens organisateurs de ces jeux. Et que ce n'est pas la première équipe à prendre le bâton de commandement pour l'organisation de ces Jeux de la francophonie. Et aussi signaler qu'il y a des priorités auxquelles il faudrait que le pays puisse désormais s'atteler, notamment la question de l'insécurité à l'est du pays, l'insécurité ici dans la ville de Kinshasa même et dans ses périphéries. Donc ce sont des questions essentielles sur lesquelles on devait nous appesantir, sans pour autant nier le fait que les organisateurs de la francophonie ont, dans une grande et large majorité, fait leur travail comme il se devait. Et ils sont payés pour ça, parce que c'est l'argent de la République. Il n'y a pas à danser et à chanter à leur gloire. Par contre, à encourager pour que prochainement, ceux-là qui voudraient également gérer une parcelle de pouvoir de l'État le fasse comme il se doit, mais abat le culte de personnalité, parce que la République risque de reculer de plusieurs années. Abat le culte de personnalité, mais pourquoi ne pas rendre quand même hommage au président de la République, parce que c'est une première fois dans notre pays qu'on reçoit un tel G, et ça donnait justement de l'honneur à notre pays. Pourquoi ne pas les rendre hommage, surtout pour les efforts? Parce que maître, je vais vous rappeler que ce jeu de la francophonie a été reporté à des reprises, et il y a eu même risque que cela ne puisse pas se dérouler, mais avec les efforts, l'énergie du chef de l'État, on a vu à tout moment visiter le site où devrait se tenir ce jeu de la francophonie, ce site qui était en construction, on l'a vu lui-même descendre. Pourquoi ne pas les rendre hommage? Nous sommes en train de dire tout à l'heure que l'analyse politique que nous sommes en train de faire, c'est de dire qu'après l'organisation de ces Jeux de la francophonie, nous aimerions avoir les institutions de contrôle, notamment l'UGF, procéder par un contrôle, n'est-ce pas, a posteriori, pour pouvoir nous dire combien des fonds ont été alloués dans l'organisation de ces Jeux et comment ces fonds ont été alloués. Deuxième chose, c'est que
Vous savez, dans notre pays, nous avons également eu une grande organisation, un grand événement du grand combat du siècle Alié Foreman dans ce pays. Et ces combats-là, lorsque nous le citons, nous nous rappellerons tout ce que ça a été organisé à l'époque de Mobutu, sans le dire. Nous n'avons pas besoin des effigies de Mobutu. C'est-à-dire que tout le monde se rappellera que ces jeux ont été organisés pendant que M. Félix Tshisekedi était président de la République et il ne servait à rien de faire reculer le pays de plusieurs années. À bas le cul de personnalité, nous le disons, le pays a besoin d'avancer. Nous sommes d'accord que les organisateurs de ces jeux ont donné, n'est-ce pas, de leur énergie, de leur sève vivifiante pour que les Congolais, les Kidouins, puissent se retrouver dans ces jeux. Et chose faite, nous les encourageons. Il n'y a pas besoin de chanter et de danser pour eux, nous l'avions dit, parce qu'ils sont payés aux frais des contribuables congolais, parce que ces jeux, n'est-ce pas, ne reposent pas par leurs fonds, c'est les fonds de l'État, et nous en appelons aux institutions de contrôle, notamment l'IGF, n'est-ce pas, et d'autres structures de contrôle, à procéder par des contrôles pour nous dire comment les fonds ont été alloués, que ça soit dans la construction, n'est-ce pas, des infrastructures, mais aussi et surtout dans les dépenses et l'engagement des fonds qui ont été ordonnancés. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Cadre de concertation avec la CENI, c'était le 2 août dernier. Maître Aristote, vous avez posé la question sur la transparence et la crédibilité des élections. Vous êtes revenu sur les exigences de certaines parties prenantes. Denis Kadima vous a répondu, il a dit que c'est difficile de rencontrer les demandes de autres, c'est-à-dire de certaines parties prenantes. Est-ce que vous aviez été justement satisfait de la réponse du président de la CENI à votre question? Ce que nous pouvons dire, c'est que le président de la CENI a un cahier des charges qu'il doit suivre, qui est en même temps formel et certains qui sont informels. Et donc nous estimons, nous, humblement, que le président de la CENI devrait prendre en compte, justement, non seulement pas les nombres des participants, mais aussi la qualité de la participation, voyez-vous. Parce que certains partis de l'opposition qui ne sont pas alignés aujourd'hui, ce ne sont pas des moindres partis, ce sont également des partis des hautes factures, ce sont des partis sont sur l'ensemble du territoire national. Évidemment, on ne peut pas prendre tout le monde, on ne peut pas prendre les avis de tout le monde, mais la crédibilité des élections ne rime pas seulement avec le nombre, l'inclusivité ne rime pas seulement avec le nombre des participants, mais aussi avec la qualité des participants. Évidemment, nous du LGD, nous nous sommes portés garants à postuler, n'est-ce pas, à tous les niveaux des échéances électorales, que ce soit au niveau de la députation nationale, provinciale, municipale, pour les conseils municipaux. Et d'ailleurs, nous avons un grand candidat, président de la République, qui est le président Matata Ponyo Mapon, l'homme qui gère ce parti des mains des maîtres. Donc nous estimons que les échéances électorales doivent prendre en compte les qualités des participants, les nombres, pour, n'est-ce pas, l'inclusivité qu'il faut. Voilà. Alors, maître, est-ce que vous craignez que, au regard justement de la réponse du président de la CENI qui ne vous a pas satisfait du tout, est-ce que vous craignez que les élections ne se déroulent pas comme souhaité et qu'il y ait contestation? Nous avons refusé les fatalismes au niveau du LGD. Nous nous sommes engagés à aller aux élections. Nous avons nos exigences, mais nous n'avons pas voulu donner l'opportunité, n'est-ce pas, à ceux-là qui veulent boutiquer la volonté du peuple à aller à ces élections en disant, voilà, vous n'êtes pas venus et nous avons gagné. Vous savez, j'aimerais ici signaler que le LGD est aujourd'hui parmi les 5 partis de l'opposition qui ont déposé justement les candidatures des députés nationaux et qui ont été retenus par rapport à ces seuils de 60%. Alors, le LGD a déposé pratiquement les candidatures de 310 candidats, et donc y compris, comment on appelle, les députés nationaux dans toutes les provinces. Et c'est pour vous dire l'ancrage que le LGD prend aujourd'hui, qui est dirigé par le président national, alors sous le leadership du certain général Franklin Tshamala, qui a travaillé d'arrache-pied pour qu'on parvienne justement à cette résolution. Vous savez, aujourd'hui, il y a des anciens partis politiques qui ont travaillé depuis longtemps, mais qui n'ont pas pu atteindre le seuil. C'est pour vous dire le niveau de l'ancrage national que le LGD est en train de prendre aujourd'hui. Et
même au niveau international, parce que nous avons dit que le LGD n'est pas seulement une vision congolaise, c'est un parti qui a également une vision panafricaine. L'idée ici, c'est d'encourager le peuple congolais à venir massivement, à soutenir dans une moindre mesure la vision que le LGD est en train de dégager. Voilà. Vous avez dit sur ce plateau que vous ne voulez pas qu'à la fin qu'on puisse dire « vous n'êtes pas venu et nous avons gagné les élections ». Mais maître, comment pouvez-vous aller à des élections justement que vous-même vous redoutez justement la crédibilité? Monsieur Nathan, vous savez que dans ce pays, nous avons vu le président Kabila organiser les élections en ayant un dauphin et voir ces dauphins ne pas être portés à la magistrature suprême. Emmanuel Chadari. Cela veut dire que vous pouvez tout avoir avec vous, mais lorsque vous sentez, n'est-ce pas, le poids électoral qui pèse sur vous, l'ensemble de l'animosité du peuple contre votre façon de gérer le pays, parce qu'aujourd'hui, notre pays vit une danse dans la cherté de la vie, n'est-ce pas, dans l'instabilité du taux d'échange et parfois dans l'inflation, ça et là. Mais écoutez, ce sont ces choses-là qui vont permettre au peuple congolais de choisir un dirigeant. Vous pouvez avoir l'envie de tricher, mais lorsque le peuple est vigilant, eh ben, cela ne sera pas possible. Voilà pourquoi nous nous en appelons à la vigilance du peuple. Nous demandons au peuple congolais d'être vigilant dans ces élections, de s'engager bec et ongles, parce qu'il est très important d'obtenir les élections les plus crédibles et les plus transparentes. Voilà pourquoi nous, quand bien même que nous sommes dans le processus électoral, nous continuons justement à dire qu'il est important de respecter une certaine transparence dans l'organisation de ces élections. Voilà pourquoi j'ai posé, moi, la question au président Denis Kadima de la CENI, pour qu'il nous parle, n'est-ce pas, qu'il nous dise clairement si, quand il parle de l'inclusivité, de la transparence, de la crédibilité des élections, il prend également en compte, justement, certains préalables soulevés par d'autres partis, notamment l'audit externe du fichier électoral, parce que, comme vous le savez, le président national, le président de la CENI, Kalima, a parlé tout à l'heure, lorsque vous avez suivi la vidéo, que ces élections sont, seront des élections qui soient les plus crédibles, les plus transparentes. Mais en nous disant d'ailleurs que l'audit avait déjà été fait avec autant de pages de rapports. 139 pages. Et évidemment, mais ces rapports, c'est un rapport qui a été fait par les amis de Kadima avec qui il a travaillé dans le passé. Voilà pourquoi nous nous disons, oui, nous sommes dans ces élections-là, mais nous demeurons vigilants et nous en appelons à la vigilance du peuple congolais, n'est-ce pas, à ne pas laisser la place au fatalisme, mais aussi à être vigilant pour que le pouvoir en place puisse être sanctionné comme il se doit. Voilà. Vous exigez, vous demandez au peuple d'être vigilant, mais vous partez, vous, de l'opposition en ordre dispersé. Il y a plusieurs candidats du côté opposition. Comment comptez-vous gagner ces élections? Vous savez, cher Nathan, nous sommes partis de l'opposition, mais nous sommes un parti autonome. Un parti politique est une personne morale à part entière. Et cette personne a une vie particulière, cette personne a des ambitions, cette personne a une façon de faire. Le LGD, notre parti, est un parti de l'opposition qui a des ambitions, qui a une vision, qui a des dirigeants, qui a un projet de société, et nous allons en parler. Mais seulement, les partis de l'opposition avec lesquels nous travaillons, notamment les partis partenaires, ne sont pas aussi moins, parce qu'ils ont également leur projet, leur vision. Ici, nous sommes en train de parler du LGD, tout en disant que le LGD est un parti de l'opposition qui veut, n'est-ce pas, avoir le pouvoir pour pouvoir redonner, n'est-ce pas, de la force, redonner et redorer l'image de ce pays et de ce peuple. C'est cela la vision du LGD, afin de renouer avec notre destin des grandeurs. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Renouer avec notre destin des grandeurs, c'est justement ça le programme de gouvernance du président du parti politique LGD, le sénateur Matata Mponyo. Nous revenons à ces sujets. Maître Aristote Tshibobwa, comment il va déjà, le président Matata Mponyo? C'est vrai, il est à Kindu, il a refusé de revenir à Kinshasa. Comment il va? Le président national du LGD, en principe, a besoin de mieux se porter. Mais comme vous le savez, il a un cœur qui soutient le pays, il a un cœur qui est dédié
n'est-ce pas, au développement de ce pays sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique et sécuritaire. J'espère qu'il est, là, il est tranquille, il est dans son pays, voilà. Il est dans son pays, il est tranquille, c'est vrai, mais venir à Kinshasa, peut-être c'est entre guillemets un problème, parce qu'on l'avait convoqué pour la première fois, il ne s'est pas présenté, mais ça ne sert à rien de revenir sur ce sujet. Mais maître, que dites-vous justement? Chaque individu, vous savez, le Congo, notre pays, a une constitution. La constitution de la République, en ses articles 64, est claire lorsque cette disposition... nous dégage des éléments, n'est-ce pas, des forces que nous devons mettre en œuvre. L'article 64 dit que tout Congolais a le droit et l'obligation de faire échec à tout individu qui exerce le pouvoir par la force ou en violation de cette constitution-là. Et lorsque le président national du LGD se rend compte que le pouvoir, et bien évidemment le pouvoir judiciaire, est exercé par la force, et une certaine force qui n'est pas légale et, légale et formelle, alors tout ce qu'il fait, lui, c'est quoi? C'est de faire échec, voilà. Il est en train de faire échec à l'exercice du pouvoir judiciaire par la force et par la violation, n'est-ce pas, des principes sacro-saints qui gouvernent la République. Très bien, votre avis, maître, j'en ai besoin, sur ce que dit le professeur Luzolo Bambi. Il a dit récemment que le membre de la Cour constitutionnelle qui avait rendu le premier arrêt sont des constitutionnalistes et non de pénalistes. Pour lui, il pense que le sénateur Matata Ponyo peut être jugé par la Cour constitutionnelle. Je ne peux pas être en apothéose avec le professeur Luzolo Bambi Walissa, appelé Périclès pour les intimes. Mais tout ce que je peux dire, c'est que la Cour constitutionnelle est une cour qui, aujourd'hui, répond au principe de juridicité, c'est-à-dire... la Cour constitutionnelle répond aux critères de judiciarisation, juridicisation et évidemment juridictionnalisation. C'est-à-dire aujourd'hui, la Cour peut rendre, n'est-ce pas, des décisions comme une juridiction et des décisions de droit. Et la Cour a des juges. Ces juges-là, quand bien même que pour la plupart sont constitutionnalistes, mais ce sont des juges chevronnés. Et donc, comprenez avec moi que les problèmes n'est pas les personnes, les problèmes, c'est les textes qui nous gouvernent. Parce que vous savez, les textes sont des institutions. Les personnes peuvent passer, les juges peuvent passer, mais les textes qui gouvernent, n'est-ce pas, les juridictions sont comme des institutions. Et comme vous le savez, les hommes passent, mais les institutions restent. Les problèmes n'est pas de savoir si ce sont constitutionnels et les juges sont constitutionnalistes ou pas, mais la Cour constitutionnelle a une mission pénale également. Et donc, si la Cour a une mission pénale, et donc ces juges, quand bien même que pour certains sont constitutionnalistes, il y a également des pénalistes là-dedans, eh bien, ces juges rendent également des décisions pénales, quand bien même que ces décisions reposent sur la monture et l'ossature de la Constitution de la République et de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Les discours de politique, on en a bien entendu, on entendra davantage, surtout pendant cette campagne électorale. Tenez, le président du parti politique LGD, le sénateur Matata Ponyo, dit, selon lui, 18 milliards en une année. Retenez encore, pour lui, 9 milliards, le budget total pour un mandat. Est-ce qu'il sera capable de le faire? Est-ce qu'il sera capable de réaliser cela si seulement il est président de la République? On en parle avec notre invité, je l'ai dit, il s'énomme Aristote Tshibwabwa, il est avocat et puis président de la Ligue des jeunes du parti politique LGD. Maître, vous avez la parole. Le président Matata Ponyo veut séduire les Congolais ou quoi? Avec des discours qui, peut-être à la fin, ne seront pas... réaliser. L'avantage avec le président national du LGD, c'est que c'est un homme d'État. Il a déjà gouverné, n'est-ce pas, dans sa vie. Il a été directeur général à BCECO, il a été ministre de Finances, il a été premier ministre. Donc, il ne parle pas, ce ne sont pas de l'heure. Ce sont des choses palpables. Il parle de l'expérience et de la conviction personnelle qu'il a pour le pays. Et le président national du LGD, le sénateur Matata Ponyo Mapon, lorsqu'il établit ce projet, ces projets de développement de notre pays avec un contrat social à l'appui, eh bien, il le fait non pas pour séduire des Congolais, mais il le fait
comme ayant reçu, n'est-ce pas, l'onction et le mandat des pères fondateurs et ayant la sève vivifiante des pères fondateurs pour le développement de notre pays, à l'instar de Lumumba, parce que ce pays ne doit pas seulement être un pays qui est debout dans l'hymne national, il doit être un pays qui est debout, n'est-ce pas, matériellement et effectivement. Vous savez, l'hymne national de notre pays dit « debout congolais ». Et donc, pour qu'on soit debout, nous qui avons été longtemps courbés par les labeurs des colons, eh bien, nous devons nous lever sur base des projets de société, sur base d'un travail acharné. Il dit, nous devons être debout par les labeurs. Nous devons travailler. Parce que, comme vous le savez, même la Bible le dit très clairement, que l'homme va manger non pas seulement de la prière, mais de la sueur de son front. Et donc l'homme doit travailler, et le président national du LGD, en croyant, s'aligne sur justement ces plans établis par la parole de Dieu, mais aussi et surtout sur l'expérience qu'il a eue et les convictions personnelles qu'il tire également de l'héritage des pères de l'indépendance. Très bien. Alors il dit, ma première priorité sera la défense nationale, la paix et la sécurité intérieure. Je crois fermement qu'une nation ne peut prospérer sans sécurité garantie et une stabilité durable. Comme vous l'avez dit, ça c'est au fait la priorité stratégique parmi les quatre priorités stratégiques du plan d'action du président national du LGD. Lorsqu'il aborde la question de la défense nationale, il aborde la question de la paix, de la sécurité intérieure comme des urgences absolues, n'est-ce pas, de ces programmes d'action. Parce que évidemment, aucun pays ne peut se développer lorsqu'il n'y a pas la paix, lorsqu'il n'y a pas la stabilité, la sécurité intérieure. Les investisseurs, même que vous appelez par des voyages ça et là, ces investisseurs ne peuvent pas venir parce que vous les avez tendu la main. Les investisseurs viennent dans un pays lorsqu'il y a un bon climat des affaires. Et le climat des affaires fait également référence à la paix dans la nation. Parce que comme vous le savez, il est un dicton qui dit que l'argent n'aime pas le son de botte. L'argent n'aime pas là où il y a l'insécurité. Les investisseurs sérieux n'investissent pas dans un pays où il y a l'insécurité. Évidemment, nous souhaitons que les investisseurs viennent dans notre pays. Mais nous ne devons pas être ceux qui mendient seulement. Nous devons être ceux qui proposent dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Aujourd'hui, en matière de coopération internationale, les États, surtout les États du Sud, notamment les États anglophones, ce sont des États qui proposent des partenariats, mais qui ne demandent pas tout simplement. Parce que plusieurs nations en Afrique, notamment Afrique francophone, sont des États qui tendent leurs mains. Et le président national du LGD, ayant connaissance de l'importance de la défense nationale, de la stabilité, de la paix dans un pays pour le développement, pose cette priorité stratégique comme une urgence absolue de son programme d'action et donc du programme d'action du LGD, partie dans lequel nous sommes et nous œuvrons. Alors, maître, comment va-t-il s'en sortir? Parce que jusqu'à ce jour, prenons le cas de la force de l'EAC qui d'ailleurs ne produit rien, on a tous suivi le président ougandais, Yoweri Museveni, et l'ancien président du Kenya, tous deux appellent Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, à négocier avec le M23 et puis à intégrer ces rebelles au sein de l'armée. Maître, avec cette guerre qui perdure jusqu'à ce jour, comment le président Matata Ponyo va-t-il s'en sortir? Le président Matata Ponyo propose dans ce volet de priorité stratégique, notamment la priorité ou l'urgence absolue de la défense nationale, la paix et la sécurité intérieure, propose notamment la modernisation de l'armée. Oui. La modernisation de l'armée, non seulement pas, il propose également que le choix des recrues dans l'armée prenne en compte un certain nombre de critères. Il met l'accent sur l'écrit et l'oral. Il dit par exemple qu'on ne peut pas aujourd'hui ne recruter que des personnes qui sont comme le chair à canot. Il faut que ce soit des personnes qui ont des prérequis même intellectuels nécessaires, qui savent néanmoins écrire et lire pour que la défense nationale soit quand même une défense sur base d'une certaine professionnalisation et même des services d'intelligence. Et pour cela, le président national du LGD ne met pas en rabais
les négociations avec les organisations internationales ne mettent pas de côté le fait que le Congo, notre pays aujourd'hui, est membre de certaines organisations économiques régionales et même sous-régionales. Mais seulement, il ne voudrait pas que le pays soit géré par un autre. Vous savez, la sécurité d'un père, la sécurité d'une famille pour un père, c'est très important. Et donc, un père ne devrait pas laisser la sécurité de sa parcelle, de sa famille, de ses enfants, de sa femme, par un autre père, par une structure, parce que c'est très difficile. Voilà pourquoi le président national du LGD pense à la modernisation de l'armée, à la professionnalisation de la police nationale, à la création, n'est-ce pas, des zones économiques, des technopoles, pour permettre à ce que la nation dans laquelle nous sommes aujourd'hui soit une nation effectivement capable de se prendre en charge sur le plan de la sécurité, tout en multipliant ou en décuplant les nombres des unités, au moins 400 unités sur l'ensemble du territoire national, avec aujourd'hui les critères de pratiquement, si je n'abuse de ma confiance, 3,5 ou 1,5 sur 1000 personnes. Très bien, merci beaucoup. 18 milliards en une année, 90 milliards un budget total pour un premier mandat. Maître, le président Matata Ponyo va-t-il trouver cet argent où? Le président national du LGD, lorsqu'il pose ses priorités, mais il le pose en un homme qui a déjà gouverné hier. Lorsqu'il était Premier ministre, l'histoire enseigne, d'ailleurs, il s'est très bien libellé dans ses grands projets de société de pratiquement 52 pages. C'est très bien libellé que lorsqu'il était Premier ministre, en faisant un retour en arrière, de 2003 à 2022 pratiquement, il y a un certain nombre de premiers ministres qui se sont succédés. Mais vous allez remarquer très clairement, et tous les économistes sont d'accord, que de 2012 à pratiquement 2015-2016, le président national du LGD a impulsé l'économie nationale de notre pays, notamment par la création des entreprises, par la prise en charge des retraités avec la création, par exemple, du CENSAP, par la célérité qui aujourd'hui permet la création des entreprises, aujourd'hui des entreprises dans notre pays qui hier demandaient 45 jours pour pouvoir être créées, à partir du président national du LGD, aujourd'hui les entreprises, n'est-ce pas, sont créées, une société est créée à partir de 3 jours simplement. C'est-à-dire que le président national du LGD pense mettre un point, un accent important sur la fiscalité, ça va, sur une pression fiscale, l'argent peut venir de là, sur la diversification de l'économie, pas seulement dans les mines, un peu partout, évidemment par la création des entreprises comme je viens de le dire. Donc l'argent de l'État ne peut venir que de cette manière-là, et parmi les priorités que le président national du LGD met en place dans le cadre de ses projets, nous avons un plan d'urgence infrastructurelle pour l'investissement et la croissance. Un plan d'urgence infrastructurel pour l'investissement et la croissance, qui est d'ailleurs une priorité numéro 2. Dans le cadre de cette priorité, le président national du LGD envisage, par exemple, à créer une certaine intégration économique au niveau national. Parce que, comme vous le savez, il est très difficile pour nos mamans qui vendent, par exemple, qui produisent, par exemple, dans les Bongandanga, qui produisent, par exemple, des bananes, aller acheminer à Kinshasa avec facilité ou un peu ailleurs. Alors il faut créer en forme de croix une certaine intégration économique nationale afin que les pays soient reliés en interne, pour que les échanges commerciaux en interne s'effacent de la plus facile de manière, parce que nous avons des choses à produire. Il faut mettre un accent sur la production, parce que vous le savez, nous sommes dans plusieurs organisations économiques régionales aujourd'hui, mais nous n'avons rien à proposer. Évidemment, lorsque vous êtes dans une... Est-ce que vous connaissez une seule chose? Vous savez, un seul produit que le Congo produit? Un seul article que le Congo produit? Vous le connaissez? Qu'est-ce que le Congo produit? Nous sommes producteurs de quoi? Il faut se poser ces questions-là. Et le président national du LGD, estimant que nous avons autant de terres arables, estimant que nous avons des grands potentiels hydroélectriques, eh bien, il faut mettre un accent là-dessus. L'argent de l'État, pour l'argent... pour pouvoir faire en sorte que l'État aille
un grand budget comme ce que propose le président national, eh bien, ça passe notamment par la pression fiscale, ça passe notamment par la production interne, ça passe notamment par un point, un accent, une angle de natation, de navigation nécessaire comme une clé de voûte du système sur les ressources hydroélectriques. Vous savez qu'aujourd'hui, la Russie, beaucoup d'argent que la Russie a, c'est notamment par ses ressources gazeuses. Par le gaz que la Russie vend, la Russie a beaucoup de moyens. Nous avons un grand Inga. Le projet Inga, notamment, ce sont des projets, des piliers pouvant permettre à ce que le Congo, notre pays, ne soit pas seulement électrifié, mais vende également de l'électricité par des États, les autres États de l'Afrique et même de l'Europe de l'Est. Et donc, il y a des grands projets stratégiques sur lesquels le projet de société, le contrat social du président national du LGD pour la candidature à la magistrature suprême propose aux Congolais de manière chiffrée et en faisant un recap de ce qu'il a déjà fait dans le passé. Et donc, c'est cela. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce projet que nous allons un jour détailler pour que le peuple congolais, même le petit peuple, arrive à le cerner de la plus simple des manières. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes dans plusieurs organisations économiques régionales, mais nous ne produisons rien. Très bien. Nous sommes un grand marché pour les autres. Avec pratiquement près de 100 millions d'habitants, le Congo est un grand marché. Vous imaginez si un seul Congolais produisait même un stylo ou produisait, je sais pas moi, de cure-dents ou le café, combien de Congolais seraient en train de consommer, combien de millionnaires on serait en train de créer. Très bien. En 5 ans, 5 universités technologiques, 7 hôpitaux de référence, 300 centres de santé, des grandes écoles d'excellence avec internants dans chaque province et puis 1500 écoles. Ce sont de bons projets. De bons projets, c'est vrai. Mais maître, comment faire confiance à une personne comme le président Mazata Tampogno qui... sur qui le Congolais veut le savoir, comment avait-il géré ce projet Bukamalozo? Est-ce que vous pensez, vrai, on ne revient pas dessus, mais est-ce que vous pensez qu'avant qu'il puisse peut-être devenir président de la République ou avant que le Congolais ne puisse lui donner confiance pour qu'il devienne président de la République lors des élections, est-ce que vous ne pensez pas que maître le président Mazata Tampogno est obligé à apporter de l'éclairage justement sur ce dossier Bukamalozo avant de pouvoir lui donner toutes ses responsabilités. Question de réaliser ce qu'il promet. L'éclairage sur le projet Bukamalozo avait déjà été fait. Il y a Gobler qui a beaucoup parlé là-dessus et la justice avait été saisie. Et le président national du LGD, de l'extérieur du pays où il était, notamment à New York, et même en Guinée, conseillant certains présidents africains, est revenu dans le pays pour affronter la justice de son pays. Il l'a fait. Il l'a fait. Et la justice de notre pays, n'est-ce pas, s'étant saisie du dossier, a rendu une décision, un arrêt de principe qui avait été rendu. Je ne sais pas si vous n'êtes pas au courant. Donc la décision déjà avait été rendue. Avec le président Dieudonné Kalumba. Oui, exactement. Exactement. Donc c'est pour dire que la justice... Il ne faudrait pas dire à notre peuple que le président national du LGD ne veut pas que la lumière ne soit pas donnée sur cette affaire. Non, non, non. Le président national du LGD, et d'ailleurs moi, en tant que juriste, je suis d'accord avec le principe des redevabilités et de l'égalité de tous devant la loi. Je suis de ceux-là qui soutiennent que tout le monde, n'est-ce pas, doit être jugé sur base des règles de droit qui existent, parce que c'est ça notre travail en tant qu'avocat. Et donc ce que nous pouvons dire, c'est que l'arrêt de principe avait déjà été rendu et cet arrêt était en faveur du président national du LGD et en faveur du droit surtout. Et bien évidemment, on ne peut pas revenir dessus. Je ne sais pas quelle autre question nous allons nous poser, parce que la justice a déjà rendu un arrêt. La Cour constitutionnelle, pour la cité, s'est déjà déclarée incompétente sur ces dossiers. Et le président national du LGD, aujourd'hui, est libre de faire ce qu'il veut. Et bien évidemment, même d'aider le pays à aller de l'avant, à se développer. Donc j'estime que c'est un débat qui ne devrait pas intervenir aujourd'hui, parce que la justice avait déjà rendu son arrêt de principe, et en l'occurrence la Cour
constitutionnelle. Merci beaucoup. Qui s'est déclarée incompétente pour connaître des affaires qui concernent l'ancien Premier ministre Matata Ponoma. Très bien, il faut rappeler que les arrêts de la Cour sont inattaquables. Exécutoires. Merci. Et ne souffrent d'aucun recours. Très bien, il s'appelle Aristote Tshibobwa, il est président de la Ligue de Gênes du parti politique LGD, du sénateur Matata Ponoma, c'est lui notre invité. Prenons le deuxième sujet, nous parlons procès de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound qui s'est ouvert hier à la Cour de cassation, plusieurs infractions à sa charge, notamment outrage au chef de l'État. La prochaine audience est prévue pour le lundi 14 août qui sera justement consacrée au plaidoirie. Mais maître, est-ce que vous pensez qu'à ce stade l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound va s'en sortir? Nous pensons en juriste que le droit ne devrait pas les droits comme les règles de droit sont impersonnels et ne sont pas taillés sur mesure pour une personne. On ne peut pas rendre une justice taillée sur mesure. On rend une justice sur base des règles de droit établies. Et le président Jean-Marc Kabound, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, député national, devrait également être jugé sur base des règles de droit. Parce que nous en appelons toujours à une justice qui tient compte notamment du droit de la défense, du procès équitable, et le fait que le procès doit être équitable nous pousse, nous, à dire que le président Jean-Marc Kabound peut s'en sortir si, évidemment, le droit, alors le bon droit, est dit comme il se doit. Très bien. Alors, on parle ici de l'outrage au chef de l'État, mais l'honorable Jean-Marc Kabound réitère ce propos. Il dit... Qu'est-ce qu'il avait dit pour qu'on qualifie ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit comme une infraction d'outrage au chef de l'État? Je suis en train ici de rappeler que le président du parti politique Alliance pour le Changement, l'honorable Jean-Marc Kabound, réitère ses propos. Il dit que le pays court un danger avec le président Félix Tshisekedi. Il dit, selon lui, il appelle le peuple à ne pas voter pour lui aux élections à venir. Mais maître, est-ce que vous pensez qu'à ces stades, où nous voulons que le pays soit un pays où la démocratie doit régner, cette infraction d'outrage au chef de l'État doit davantage revenir pour clouer, entre guillemets, certains opposants qui, justement, pourront prendre le courage de s'exprimer. Monsieur Nathan, vous savez, la plupart des États tyranniques et la plupart des tyrans, des dictateurs ou des États autoritaires aiment bien un certain nombre d'infractions, notamment l'infraction d'outrage au chef de l'État. Il est même regrettable de voir que l'honorable Jean-Marc Kabound, qui d'ailleurs est député national, couvert des immunités, peut être poursuivi pour certaines infractions alors qu'il ne faisait que parler dans le cadre de son travail. Vous savez, la Constitution de la République et les lois du pays sont claires. Lorsqu'un parlementaire parle, lorsqu'il agit, on dit aucun parlementaire ne peut être poursuivi, n'est-ce pas, dans le cadre, n'est-ce pas, pour les propos tenus ou pour toute action dans le cadre de son travail, parce que évidemment il doit parler, il doit agir. Nous pensons humblement que le président Jean-Marc Kabound a le droit de s'exprimer, a le droit de dénoncer, a le droit de dire même que le pays est en danger, parce que vous et moi n'étions pas là où Jean-Marc Kabound était avec le président de la République. Jean-Marc Kabound était président de l'UDPS, il ne faut pas l'ignorer, parti au pouvoir. Et donc, il était dans les loges du sacré de l'UDPS. Il était dans les firmaments du sacré de l'UDPS. Donc, il connaît les réalités de la gestion de ce pays-là. Et lorsqu'il révèle les choses, nous, de l'opposition, tout ce que nous faisons, c'est... n'est que d'applaudir, parce que nous voyons des confirmations. Ce sont des confirmations. Lorsque quelqu'un de l'intérieur vous révèle des choses, ce n'est que des confirmations, en confirmation que nous sommes en train de partir. Donc, c'est lui qui a l'aide de fait d'apporter le preuve. Il est obligé, justement, d'apporter. Évidemment, le preuve. Il a apporté lorsqu'il parle, par exemple, de l'insécurité grandissante. Nous sommes en train de voir aujourd'hui insécurité à l'aide du pays, les poches d'insécurité ici à Kinshasa. Vous avez les Mobondo à gauche, vous avez les forces du progrès à droite, vous avez le conflit Tekeyaka, vous avez les enlèvements à Kinshasa. Vous avez toutes ces choses-là. Ça prouve à suffisance que le pays a régressé sur le plan sécuritaire, par exemple. Alors, il n'a pas le droit de dire que le pays court un danger?
Donc je pense que je ne suis pas porte-parole de Jean-Marc Aboud, mais un homme éclairé, j'estime qu'il a le droit de parler comme il se doit et il a le droit de révéler ce qu'il connaît parce qu'il était dans les loges, dans le sacré, n'est-ce pas, dans, comment on appelle ça, le tréfonds obscur de la gestion de l'État avec M. Félix Tshisekedi. Très bien, merci beaucoup. 45 minutes d'échange avec notre invité Aristote Tshibwaboua. Il est président de la Ligue des jeunes du parti politique LGD du sénateur Matata Mponyo. Alors maître, vous avez 2 minutes pour la conclusion. Alors tout ce que nous pouvons dire à nos peuples, c'est que nous demandons au peuple congolais de s'approprier le projet de société, le contrat social que propose le président national du LGD. Et ces contrats, ces projets de société n'est pas seulement un projet, un chiffon de papier ou une feuille de vigne, mais c'est un projet qui tient compte des réalités de notre pays, n'est-ce pas, en se rappelant de l'héritage des pères de l'indépendance, qui ont souhaité que notre pays soit un pays fort, un pays puissant, où les ministres ne sont pas dans le bureau, mais les ministres travaillent avec le petit peuple. Un projet qui voudrait à ce que le peuple congolais, n'est-ce pas, soit réconscientisé autrement, réconscientisé sur le plan de la redevabilité, du devoir et de ses droits, parce qu'il est très important que notre peuple, n'est-ce pas, soit responsable des actes qu'il pose, responsable des choix qu'il fait. Et donc le président national du LGD, avec ses ambitions qu'il met en place, ses 4 grandes priorités sur la défense nationale, sur l'industrie, sur les zones économiques, et que sais-je encore, afin de renouer avec notre destin de grandeur, couple cela avec ses valeurs fondamentales, à savoir la rigueur, la discipline et voire même la transparence. Et voilà pourquoi je vous invite à adhérer massivement à ces grands projets. Ces grands projets sont très importants pour notre pays. Ces grands projets, c'est un projet que vous devez, vous, peuple congolais, nous tous, peuple congolais, devions nous approprier pour que le pays dans lequel nous vivons soit redoré, que l'image de notre pays soit redorée et que demain nous soyons respectés également à l'extérieur du pays, j'ai dit. Très bien. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis de partout à travers la République démocratique du Congo, à la diaspora. Cette émission est terminée. Laissez-moi comme ça la dédier à mon grand frère, l'aîné de ma famille, de notre famille justement. Il s'appelle Reynold Kanida qui fête son anniversaire aujourd'hui. Très cher grand frère, joyeux anniversaire à vous. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On se retrouve demain pour le 3e numéro de la semaine de votre magazine Semel chez vous. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée chez vous. Au revoir.